Non, ça va mieux marcher si j'allume mon micro. Donc je joue contre Hong Kong Foy. D5, alors est-ce que je joue D5? Donc ça, les deux cavaliers, c'est pas un bon truc normalement, mais encore faut-il savoir le réfuter. Ça s'appelle la défense mexicaine. Quand mon micro était coupé, il y a 30 secondes, j'essaie de vous expliquer que je suis censé avoir appris ce qu'il faut répondre. J'ai envie de jouer D5. Parce que... Attendez, je vais juste baisser un peu le son de la musique, pardon. Si je prends ici avec son cavalier... Peut-être qu'après ce sera pas mauvais de jouer E4. J'ai l'impression qu'il veut que je pousse. Donc il va venir là après, qu'est-ce qui va se passer? Notre option c'est de prendre, il va venir là. 4. Non, j'aime bien quand même ça. 4 et maintenant mon pion est défendu. Ok, alors. J'ai envie de répondre à un clouage par un autre clouage. Fou G5. Parce que pour l'instant, mon pion est attaqué. Donc c'est une façon de le défendre. Alors si je viens en H4 et qu'il joue ça, je reviens me replier. Et après mon pion, non il sera pas perdu puisque j'attaquerai le cavalier. Mon micro est bien branché. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo d'échecs classiques. En fait, j'en avais une bonne. J'en avais 25, voire plus d'avance. Et donc, le temps de les diffuser toutes 3 par semaine, j'en avais pas fait depuis. Depuis le mois d'août. Même mois de juillet, je sais plus. Bon, apparemment, je le fais réfléchir avec mon dernier coup. J'ai le contrôle total du centre, mais je suis en retard de développement, c'est-à-dire que lui peut roquer et moi j'ai encore 2 pièces à sortir avant de pouvoir roquer. Donc là, est-ce que je suis pas obligé d'échanger? Je m'en fous et attaquer. Si je le défends, il peut prendre... Maintenant, il peut toujours pas prendre mon pion. Mais il peut échanger comme ça, comme ça. Après, il prend mon pion. Non, je pense qu'il faut que je prenne. On va prendre avec la dame. Ouais, je pense que je suis obligé de jouer ça. Maintenant mon cavalier est attaqué 2 fois. Parce que je défends avec la dame. Dame C2. Ou alors cavalier E2. Je préfère dame C2.
Même dame B3. Dame B3, ça a le mérite d'attaquer le fou avec. Peut-être qu'il peut juste jouer à 5. Ok. Donc je vais la mettre en C2 quand même. Pour garder ce pion. Ben, le pion E4 défendu. Alors du coup je peux peut-être faire un grand roque finalement. Un peu bizarre. Dame C2, ça défend aussi le pion F2. Ce qui est toujours utile tant que j'ai pas roqué. Par exemple, si je fous C5 à un moment, mon pion F2 est défendu. Ok. Alors, est-ce que je veux échanger les dames? Est-ce que je reprends avec la dame? Ou est-ce que je reprends avec le pion? Il vaut mieux reprendre avec le pion, parce que sinon il change les dames, après mon pion est plus protégé. Ceci dit, il n'était pas attaqué. Mais avec, maintenant que j'ai ma structure de pion est toute pourrie, il vaut mieux pas trop échanger de pièces, on va dire. Parce que une finale ne serait pas à mon avantage. Donc j'ai pas trop bien géré mon ouverture. J'ai réussi à faire des pions. Doublé et isolé, et j'ai pas de compensation. Par exemple, j'ai pas la paire de fous. Pas non plus d'avantage de développement. J'ai un petit peu plus de centre, quand même. Ok, donc maintenant il a fait un beau trou en C6. J'ai envie de mettre un cavalier en C6, mais il sera pas super stable. Enfin, il pourra pas être défendu par un pion, je veux dire. Mais d'abord, on va jouer. On va sortir notre fou, donc en E2 ou en D3. Je pense en D3. Parce qu'il va y avoir un petit peu de pression sur le pion, donc autant le défendre deux fois. Ensuite, bon, je pense qu'on va roquer, on va pas. Faut aussi penser à E5, peut-être pas tout de suite quand même. Mais donc s'il prend. Après prend. Non, ça fait rien pour l'instant. Peut-être cavalier F4 qui serait embêtant un petit peu. Après ça me dérange pas s'il veut échanger contre mon fou. Parce que ce fou là, pour l'instant il fait rien. C'est pour ça que j'essaye de jouer E5. Mais E5, de toute façon, il peut prendre avec le cavalier aussi. Donc je pense que ça perd juste un pion. Donc mon plan, c'est de jouer cavalier D4 et ensuite essayer de le mettre sur une bonne case. Ça peut être C6, B5 ou F5. Après, je peux jouer F4, peut-être. En C6, je suis pas trop sûr parce que de toute façon, il va sûrement jouer full B7. En B5, j'attaque des pions. Et en F5, je m'approche de son roi. Ok. Donc cavalier F4. On va déplacer le cavalier comme prévu. S'il veut échanger mon fou qui est très mauvais, il n'y a aucun souci. Et s'il attaque G2, je peux toujours jouer F3 pour défendre latéralement.
Je me demande s'il n'y a pas un coup complètement dingue du genre fou H3. Fou H3, puis on prend. Après, il y a plusieurs échecs possibles. Ok, donc contre ça, j'avais prévu de jouer F3. C'est peut-être là qu'il a fou H3. Fou H3. Tour F2. La dame est en G5 et pas en G6. Mon fou ne menace plus de... Mon cavalier ne me reste plus une fourchette en deux coups. Ok, donc je pense que tour H2 est forcé, à moins que je joue G3 ou G4. Mais G3, il peut. Je donne une qualité. Et s'il échange ici, il n'y a aucun problème puisque maintenant c'est ma tour qui défend. Ok, il s'en va, c'est parfait. Je sais pas trop ce qu'il estime avoir obtenu de cet échange. Parce que maintenant je pourrais même jouer fou F1, le fou serait plus utile. Défendre G2 que de sa position actuelle. À moins que je puisse jouer E5, mais je pense pas. E5, j'attaque rien. Alors, et l'autre option, c'est cavalier... Peut-être cavalier B5. Juste entre cavalier B5, cavalier F5, fou F1. Cavalier B5, au moins ça attaque un pion. S'il le bouge, je mange celui-là. S'il le défend, c'est quand même bizarre, les deux tours vont être occupées pour pas grand-chose. Donc cavalier B5, ça peut l'ennuyer vaguement, et puis s'il échange, je suis content. Cavalier F5, s'il échange, j'ai des pions encore plus mal structurés. Et ce pion-là est pas si sympathique, mais sans plus, j'ai l'impression. Et fou F1, pas sûr d'avoir besoin de jouer un coup défensif comme ça dès maintenant. Ah, il menace quand même de jouer cavalier H3 là tout de suite. Cavalier H3 qui gagne une tour, enfin une qualité. Donc peut-être qu'il faut que je mette mon roi en H1 avant toute chose. Sinon je bouge ma tour, disons ici. Pour l'instant ma position tient. C'est loin d'être confortable, puisque c'est quand même lui qui attaque et lui qui a la meilleure structure de pion. Il y a quand même 400 points Elo de plus que moi. Ok, donc j'ai encore plus envie de venir là. Ceci, peut-être qu'il va quand même échanger. Je dis que je serais content de réparer ma structure de pion, mais... Je me retrouve avec un mauvais fou contre un très bon cavalier. Donc j'ai peut-être pas trop envie de ça quand même, après tout. Thank you.
Voilà, moins que j'arrive à recycler, à activer mon fou, mais... Prends. Après, il faudrait qu'il y ait dans C4 et en B3, peut-être. Ouais, peut-être qu'il est plus mauvais que ça si cette diagonale n'est plus bloquée. Si j'essaie d'échanger les cavaliers, c'est un peu pareil, son fou va être meilleur que le mien dans la suite de la partie. Fou F5, je sais toujours pas bien à quoi ça sert. Ok, donc on va quand même faire ça. Donc là j'attaque deux pions, alors il est obligé d'échanger s'il veut pas perdre un pion. Ce cavalier va quand même être très bon. J'espère que le fou sera pas trop mauvais, on va dire. Ah, il change pas. Ok, donc il fait une contre-attaque. Puisqu'il menace de prendre mon fou, je reprends et la tour est plus défendue. Donc contre ça, je peux jouer tour F1 ou alors fou F1. Fou F1, ça contrôle bien son cavalier, alors j'aime bien. Ma tour, elle ira sûrement sur une autre case. Je sais pas pourquoi elle irait forcément en F1. Il pourra venir là avec sa dame. Encore mieux, j'ai deux. Donc il commence à avoir un bon avantage de temps. Du coup, sa dame défend le pion. Donc en gros, je viens de revenir là, je peux pas faire de coup intermédiaire. Moi, sa dame est plus sur la colonne G. Pour me débloquer après, comment je peux faire pour être un petit peu plus actif. Cavalier F5 à nouveau. Qu'est-ce qui se passe s'il échange? On prend. Peut-être que ma tour fasse quelque chose d'abord. Ok, donc le pion est défendu 3 fois, attaqué 3 fois. Prends. Est-ce qu'il menace de me prendre ici? Pas vraiment, parce que je reprends avec le pion et ça me débloque cette colonne. Donc je vais profiter de ça pour activer ma tour en fait.
S'il prend, il me permet d'attaquer. Et s'il prend pas, son fou est bloqué. Donc c'est pas trop mal. Je suis pas sûr que ce soit un très bon coup ce qu'il est joué. Et donc c'est pour ça que moi je ne prends pas non plus. Peut-être qu'en amateur là je vais prendre quand même. On va voir si j'arrive à jouer tour. Ah non, je peux pas. Ok, c'est lui qui prend, donc ça c'est un petit peu étonnant. Peut-être que j'ai raté quelque chose. À son idée après ça. J'ai l'impression que ma position est bien meilleure qu'il y a trois coups. Je peux toujours jouer cavalier F5 qui menace le cavalier. Cavalier F5. Et s'il échange, il n'a pas le temps puisque je prends là. On est à égalité au temps maintenant. J'ai l'impression qu'il a du mal à trouver un plan. Il a toujours une meilleure structure de pion. Mais j'ai un bon contrôle du centre. Je contrôle toutes ces cases là. Est-ce que j'envisagerais G3? Si c'était à moi de jouer là, est-ce que G3 c'est un bon coup? Ça force le cavalier à s'en aller. Peut-être en G6 ou en H5. Je peux échanger, tour prend. Est-ce que ça m'amène quelque chose que cette tour contrôle plus la colonne E? Et après G3, je peux peut-être jouer. Essayer d'améliorer mon fou. Ça m'apporte pas grand chose G3, ça va faire surtout affaiblir la case H3. Les pions doublés pour l'instant ils sont pas un problème puisqu'il n'arrive pas à les attaquer. Et au contraire il contrôle plein de cases, donc ils empêchent la dame de venir m'embêter sur... L'aile dame, justement. Donc c'est pour ça que tant qu'on a beaucoup de pièces en jeu, j'ai pas de problème pour défendre mes pions, donc c'est pas pour l'instant une faiblesse. Mais ça pourrait très vite le devenir si on commence à tout échanger.
Bon, ça fait longtemps qu'il réfléchit là. Mon fou là, il contrôle vraiment bien son cavalier. Il contrôle toutes ces cases là. Notamment H3 par exemple, il peut pas envisager des sacrifices comme ça parce que H3 est défendu deux fois. Parfois ce genre de sacrifice peut marcher dans certaines situations. Je pense que là s'il veut m'attaquer, il faut qu'il avance avec ses pions. Pas grand chose d'autre à faire dans sa position. Mais je pense que je menace cavalier F5. C'est pas non plus une grosse menace, mais ça oblige le cavalier à s'en aller. Voilà, il défend avec G5. Il peut pas. Parce que s'il échange, je pense que je vais pas reprendre tout de suite, je vais reprendre là d'abord. S'il faut prendre, il y a tout reprend. Le cavalier s'en va, j'ai un coup comme tour D5 qui peut être intéressant. Je suis pas trop sûr du tour D5. Ah, ça y est, il joue. Ok, donc. M'attaquer, venir là ou là. Est-ce que j'attaquerai pas la tour en jouant ça? Peut-être qu'il s'en fout, il va venir en H5. Donc cavalier après, il fait plus grand chose. Donc si je viens quand même en F5, comme j'ai dit, c'est toujours pareil. S'il me reprend, je prends avec la tour. Donc mon cavalier, une fois qu'il est en F5, il menace pas directement, je crois pas, mais il embête celui-ci, il coupe la défense. Donc j'essaye de gagner le contrôle de la colonne F. Il n'y a plus que 18 secondes, mais on va plus avoir le temps de calculer du tout là. Je vais pas jouer G5 pour défendre le cavalier à cause de cavalier prend H6, échec. Ok, alors. Ensuite, est-ce que tour D5 fait quelque chose? Non, c'est mon cavalier qui est plus si bien défendu. Il va quand même attaquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je peux le défendre trois fois. Prends. Prends. Prends, prends, prends. Je sais plus. Oui, mais il y a un moment où je prends une tour avec un fou, donc c'est bon. Je trouve que j'ai réussi à le faire reculer, en tout cas, puisque... Un sacrifice comme ça, ça ne marche pas. Après, il y a échec. Après, avec le roi... Ah, échec. Je récupère le cavalier. Si, ça marche. En tout cas, je peux pas prendre le cavalier puisque ma tour est attaquée deux fois. Je peux jouer tour F1 pour défendre une fois de plus le cavalier. Sûrement le coup auquel il s'attend. Ça doit pas être un mauvais coup d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que ça gagne un pion, non? Échec. Bon, il prend le pion. Tout ça, c'est forcé. Échec, il reprend. Échec. Alors, il peut bloquer l'échec en jouant ça, mais je regagne. Ah non, ça marche pas.
La dame est attaquée. La dame, bien sûr, est attaquée. Donc on va jouer le coup normal, finalement. Ok, il bloque mon pion. Garde mon fou un petit peu bloqué, normal. Est-ce que je n'arriverai pas à mettre mon fou ici maintenant? Ouais, mais Dame prend C4. Mon pion a attaqué 3 fois, défendu 4 fois. Donc j'ai la liberté de bouger une tour si je veux. Je fais ça un petit peu là. Prends. Ah non, merde, il a attaqué 4 fois et défendu. Il a défendu 4 fois. Donc je ne sais plus compter. Ça fait quoi? Ça fait juste un échange. Est-ce que je peux essayer de mettre la pression après sur le pion? On prend, j'attaque le pion. Mais il est quand même défendu déjà par la dame. Si je fais ça d'abord. Je pense qu'il peut. Non, il peut toujours pas prendre mon pion. Les joueurs forts, ça dérange pas de survivre avec très peu de temps. On va essayer d'améliorer notre dame maintenant. Dame, elle me laisse d'aller là-haut. Est toujours bien protégé par mon fou, donc ça c'est bien, c'est assez solide. Faut pas que j'oublie que ce pion là est maintenant cloué. Ok. Donc si je sacrifie ce pion là pour aller là, ça vaut clairement le coup. J'ai trouvé un moyen d'attaquer son roi. Mon fou pour l'instant est bloqué par mon pion. Je dois quand même pouvoir jouer ça. Avec le temps qui reste, il pourrait faire des gaffes. J'espère. Si je joue ça. Si je joue ça, ça va pas. Comment je fais pour améliorer mon fou là. Ah merde, je peux pas, il va jouer ça. Ah! Je l'avais pas vu. C'est moi qui suis en train de perdre autant maintenant. J'arrive pas à m'infiltrer. Ma tour est attaquée. J'ai envie de jouer ça, mais pour l'instant, il me laisse du mat du couloir. Oula!
Il m'a donné sa dame? J'avais pas vu du tout que j'attaquais sa dame. Ok. Drôle de fin. Ça, c'est le truc qu'on s'y attend pas contre un 2303, mais... Quand il n'y a plus que 5 secondes depuis un moment, ça peut arriver. Mouvement latéral de la dame, souvent on le rate. Moi je suis venu là uniquement pour défendre ma tour, j'avais même pas vu que ça attaquait sa dame. La mienne était bien défendue en tout cas. Donc je sais pas comment ça aurait pu continuer, mais clairement j'étais pas bien puisqu'il y a deux pions d'avance. Donc j'avais envie de jouer H3, tour E7. Mais normalement il n'y a pas de problème pour défendre, même actuellement là. Le pion G7 est défendu par la dame, donc je me lasse pas grand chose, je pense. Ouh. Une belle partie. Effectivement, on dit que j'étais perdant. Défense mexicaine. Donc là. C'est quand même le. Donc c'est la base de 2 mètres. Alors c'est 3, 4, 5, 6. C'est quand même le 7ème coup le plus joué dans cette position. Et là je sais qu'on peut jouer D5, mais c'est très compliqué. Mes pions sont trop avancés après. C'est dur de s'en sortir. Alors dit préfère que C3 ce que j'ai joué. Et là alors là, je connais pas ça. E5. Donc D5 a l'air mieux que D prend E5 d'après l'ordi et d'après les bases de données. D5, ça, si vous voulez, ça sentait le meilleur coup, mais je me suis dit qu'après il serait beaucoup mieux préparé que moi. Donc il a joué ça. Je sais pas si j'ai très envie de jouer E3 parce que ça bloque mon fou, mais... Bon, c'est sûr que cette position est très bien pour les blancs. Ce que j'ai joué c'était égal, paraît-il. Même un peu mieux pour les noirs. Puisqu'à partir de là, j'ai plus la paire de fous et je vais avoir mes pions déstructurés. Erdi préfère avoir la même position, mais en échangeant les dames. Là, c'est comme si tu avais un pion de retard. Il n'y a rien de bien dans cette position pour les blancs. Si au moins les dames sont encore en jeu, je peux espérer poser des problèmes. Si c'est trop simplifié, c'est foutu avec une structure comme ça. Ah donc, je pensais à jouer E5, mais plus tôt d'ailleurs. Je vois pas du tout pourquoi ça marche dans cette position. Alors c'est vrai qu'après on peut attaquer la tour. Récupérer ce pion là. En même temps, l'ordi dit c'est vachement mieux pour les noirs. C'est sûr qu'ils ont un pion d'avance. En fait, il veut dire qu'il vaut mieux sacrifier le pion pour libérer le fou, peut-être. Donc là, il y avait le fameux fou H3. J'étais en train de me demander à ce moment précis si le fou H3 était possible. Apparemment, oui. L'idée c'est que prend et après il y a une attaque. Mais je voyais pas où elle menait l'attaque quand même. Avec juste le cavalier ici et la dame ici ou là. Ah non, pas que le cavalier alors. Fou H3, pion prend et tout de suite échec. Et là, oups, il menace d'aller en G2.
En fait, je peux même pas prendre parce que le mat est inévitable après. Oups, m'attends de coups. Ah. Bon, j'aurais été obligé de jouer G3 et de sacrifier une qualité. Et là, pareil, mais il a joué fou H3 quand même. J'ai cru que tout allait bien après tour F2. Au final, il a reculé toutes ses pièces, une par une. Il a trois pièces qui attaquent et il va toutes les reculer. Je sais pas trop pourquoi. Je me lasse pas de manger son fou. Donc, autant maintenir la pression pour garder mes pièces bloquées. C5 pour virer ma pièce la plus avancée, mais G5, on a pas trop envie de le jouer. Donc là, je vais roi H1 parce qu'en fait, il menaçait de venir là. Si je jouais un coup, il avait envie de jouer, il venait là. Donc là, il y a une fourchette, tout simplement, je peux pas reprendre. Donc voilà, roi H1. Tour AE8. Là, j'ai décidé de mettre mon cavalier ici pour attaquer les deux pions, mais c'est vrai que la dame sauvait les pions, puisque j'ai pas le temps de prendre le pion. À cause de cavalier prend, dame prend, et dame prend tour. C'est pour ça qu'il fallait que je joue fou F1 avant, selon l'ordi. Fou F1. F5. J'hésitais à jouer un coup pour chasser le cavalier, mais toujours pareil, ça affaiblit mon roc. Ça affaiblit H3. Et le fou est bien contrôlé par mon... Le cavalier est bien contrôlé par mon fou. -1,6, donc là je fais une bêtise apparemment. Moi j'aimais bien cette position, j'étais content. Fou A4. Waouh. Ah ouais, ça c'est difficile à voir. Ça attaque la dame et la tour par enfilade. Et si je prends le fou, il prend la tour. Oups. J'ai pas vu du tout lui non plus. À la place de ça, il a reculé son cavalier. Donc là, j'avais envisagé tour D5. Essayer de réparer ma structure de pions s'il veut faire des échanges. S'il veut pas, il est obligé de reculer sa dame. Ah, ça va déjà mieux. Donc j'ai joué quoi? Ah mais j'ai mieux défendu mon cavalier. Mais c'est vrai que ça c'était comme un coup intermédiaire un petit peu puisque ça attaque la dame, il est obligé de réagir. Ok. Et donc là, -3,5, donc je suis complètement perdant, toujours à cause de la même idée. Mais il a joué cavalier H4. Et donc là, oui, à un moment, je calculais ça. J'ai cru que ça marchait. L'idée étant que après ça, j'avais une fourchette. Mais c'est totalement faux, puisque la dame contrôle cette case. Donc j'ai redéfendu mon cavalier. Après on a commencé à échanger. À partir de là c'était presque équilibré. Toujours léger avantage pour les noirs, mais j'ai résolu mes problèmes. Toujours ce petit problème à long terme. Mais disons que les noirs n'ont plus d'attaque. Rappelez-vous, à un moment il y avait le cavalier ici. Non, le fou ici, le cavalier ici et la dame là. Ils ont tous reculé. Donc voilà, il attaque mon point faible. Et là, j'ai cru que je pouvais jouer ça et ça. Mais le problème, c'est que déjà, il attaque mon fou, donc j'ai défendu le fou. Et le deuxième problème, c'est que mon attaque ne marche pas. À cause de ça, échec et attaque de la dame à la découverte.
Donc, je reviens en arrière. Il a pris mon pion et donc j'ai pas joué ça. Si, j'ai joué ça, mais j'ai pas pris le pion. Je suis revenu en arrière. Oh, moins 7. Ah! Donc là, il y a une belle menace. Heureusement qu'il n'y avait plus que 5 secondes parce que ça, il aurait pu le trouver. Je suis complètement mort. Si je bouge madame, je sais pas où. D'ailleurs, elle est quasiment capturée. Elle est capturée même. Mais même si elle pouvait s'enfuir, de toute façon, il a un mat du couloir. Le truc, c'est qu'elle peut même pas s'enfuir. Si elle vient là, on a vu ce qui se passait. Et puis là, je peux pas reprendre. Si, je peux reprendre. Mais voilà. Il y a une dame quand même. Et plein de pions. Donc je m'en tire bien. On peut dire que j'ai gagné autant, plus ou moins, parce que ça, il aurait... Je suis sûr qu'il aurait trouvé. J'essaie tant bien que mal de m'approcher de son roi, de poser des problèmes. Là, je défends ma tour et hop, boum. Un grosse gaffe. Ouf. Bah, belle partie quand même. C'est pas tous les jours que je bats un 2303. Donc je suis content. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. A bientôt les amis, salut.